puisque oui, nous avons une phase 2 sur la bêta. Bienvenue à vous si vous êtes sur Twitch aussi, bien sûr, je vous oublie pas, mais là, je parle plus à YouTube, parce que bien sûr, quelques personnes vont avoir des nouvelles de ce jeu, peut-être des bonnes, peut-être des mauvaises. Je vais voir, il y a un patch note qui a été assez long, qui a été mis en place. Déjà, au moins, les joueurs sont mis à jour, parce qu'on a, par exemple, Jérémy Vekatawa, etc. Bon, au moins, c'est déjà un bon petit bon point, ils tiennent à jour leur jeu, leur bêta, du coup, on va pouvoir voir ce que ça va donner. Je vous lirai en même temps quelque chose qu'ils ont fait, quelques ajustements, même si voilà, c'est tout en anglais et je vais me démerder. Après, on fera peut-être un peu le tour justement pour voir exactement ce qu'il y a. Déjà, on va pouvoir voir une première fois le jeu, vraiment ce que ça donne, les nouveautés, l'endurance, les problèmes qu'on avait assez récurrents. Même si il y aura un petit peu d'entraînement, je serais curieux de voir du coup ce qu'il donne. On ira faire un tour d'ailleurs, c'est quand même con de le mettre dans la phase 2, ils auraient plutôt mieux fait de le mettre dans la phase 1. Donc voilà, il y a une nouvelle aussi caméra, il y a plein de choses de nouveau, un nouveau mode pour le botteur, voilà, pour mieux voir comment la balle sort. Bon, ça, on s'en bat les couilles, mais bon, c'est quand même intéressant. On a aussi une nouvelle équipe puisque le Japon a la licence, enfin, même si c'est le pays hôte, bon, c'est dommage quand même qu'il l'ait pas mis avant. Mais voilà, après, sachez qu'il n'y aura peut-être pas d'autres licences nouvelles puisque Rugby Challenge 4 aura les autres. Donc voilà, c'est un peu problématique et on a quelques nouvelles aussi combinaison, mais il n'y a pas que ça. On reviendra déjà, je vais voir ce que ça donne, manette en main. Oh, en tout cas, le jeu en l'air est toujours aussi pourri, tout le monde se trouve. C'est la fête. Bon, il n'y a pas tout qui a été réglé, c'est clair. Vous voyez, la caméra est un peu plus loin, j'ai essayé de la... Ouais, faudrait que je la refasse. Parce que là, elle me va pas, elle est un peu trop éloignée. D'ailleurs, il y a des nouveaux mouvements de caméra. On verra ça, vous allez voir. Voilà, angle de caméra. Moi, la hauteur, j'aime bien qu'elle soit un peu plus basse pour être vraiment au cœur. Au cœur du jeu, on va la mettre comme ça. Voilà, l'intensité des secousses, par exemple, l'orientation de la caméra. Vous avez vu de l'extérieur, voilà, vu de l'équipe domicile, vu joueur, moi je préfère. Zoom sur action. Et là, c'est la TV sur le côté. Mais bon, je pense qu'elle doit être injouable. Donc on va continuer avec celle-là, l'action. Et du coup, elle va très bien. Donc du coup, c'est tout bon. On va reprendre. Voilà. Ils font bien circuler le ballon. Oh, ok, ça joue sur l'aile. Ok, le jeu en l'air. Ouais, normal, ils me prennent de vitesse. Dans le quart de finale qu'on attend de pied ferme. Dimanche, le match France-Pays de Galles. On va voir ce que ça a donné. Les bonnes nouvelles, c'est que Penaud et Dupont, normalement, seront là. Voilà, du coup, les molos, pour l'instant, toujours aussi simples qu'avant. Vous ajoutez vos joueurs, vous matraquez le carré. Je vais voir les. Ouais, non, je peux pas. Si j'extrais la balle, est-ce que je peux faire un. Ah, dommage. Il faut les faire une tactique, je peux pas. Allez, Ficou. Ils veulent faire vivre le ballon. D'accord. Avec cette offload. Ouais, il est un peu plus lent. Ouais. Les joueurs sont un peu plus lents pour aller aider le soutien. Il capte bien ce ballon. Médard. Oh, le 2 contre 1. J'ai mis Raka titulaire, même si ça risque d'être UG, on verra. Oh, Raka. Ouh là là, ouais, non, je me fais trouer. C'est vrai qu'ils ont augmenté la difficulté, à ce que j'ai compris, pour le mode pro et semi-pro. Et Gardeau. Non, j'avais pas vu qu'il y avait Damien Penaud. Damien Penaud, pardon. Oh là là, putain, ouais, par contre, ouais, normalement, ça, c'est chiant. Ça peut être un avant, hein, qui extrait le ballon. C'est pas forcément un 3/4. Ouais, bon, ils ont pas tout réglé, je pense, mais bon, ça avance. Ah, peut-être pas à la vitesse qu'on veut, mais bon, il y a des petits changements. Même si pour l'instant, j'ai encore rien vu. Hein. Hop, ah non, j'ai oublié de faire la passe. Ah, du coup, je vais être en retard. Il récupère le ballon. Bon, pour l'instant, ouais, je vois pas trop de changements. On va voir, hein, une fois plus tard, je peux pas le dire maintenant. En tout cas, c'est ma première impression. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de changements. Oh là là, oh là là. Oh, d'accord. Oh. Ah non, mais Elia, ok. Ah, par contre, les courses sont plus rapides. Ça, déjà, c'est bien. Là, l'Elia, là, la pointe de vitesse était intéressante. Par contre, ouais. L'endurance, quand même, elle baisse quand même toujours aussi vite. Hein. Ils l'ont ajusté, mais... Encore un petit peu plus, faudrait. C'est vrai que l'Elia, elle a l'air un peu conne, toujours. Mauvais plaquage. Ah, mauvais plaquage. Je l'ai eu, hein. J'ai fait un bon plaquage. Bon. Pour Monsieur Bail, c'est pas assez bon. Allez, Damien Penaud. Oh, le raffut. Par contre, ouais, dès que je fais un. Oh, putain. Dès que je fais un petit geste pas technique. Hein. Vous voyez leur jeu là, ils l'ont oublié encore. Les règles, bon. On s'assoit toujours dessus, hein, malheureusement. Ah, ils sont beaucoup plus agressifs qu'avant. C'est bien. En tout cas, l'IA, elle a l'air un peu mieux. Mais c'est pas non plus, hein, attention, hein, c'est pas non plus le feu. Hein. Avec Garado qui est blessé, bon, du coup il va devoir faire un changement. Slimani, Ficou, pour Raka. Et voilà, c'est bon. Bon, ouais, comme sur la phase 1, faut aller sur les extérieurs et ça marque direct. Hein. Hop. Du coup, oula, attends. D'accord, donc pour eux c'est plus simple comme ça. Ah ouais, bon.
Moi, je préférais l'ancien. On verra à la fin. Je trouvais que c'était plus clair, mais bon, c'est pas grave. On verra au fur et à mesure, peut-être que je trouverai ça plus pratique. Je voulais te faire le changement pour Guirado. On va voir. Vous voyez, il y a quelques secousses. Quand il y a les gros cartons, les gros caramels, hein, comme on aime. Du coup, je vais faire le changement. Maintenant. Allez. Owens. Ah, bah oui, c'est le joueur. Ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a quelques noms. J'ai peut-être pas fait assez long. Tu vois. Si, c'est bon, ça passe. Du coup, gestion. Gestion d'équipe. Hop, c'est vrai qu'il y aura des défis par la suite. Vous pouvez le voir, c'est grisé. Donc, on va revenir aussi sur les changements. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, les cinématiques ont été un peu refaites, surtout à la fin. Enfin bref, voilà, pour l'instant, je vois, en mise en main, je vois vraiment qu'il y a quand même une nouvelle IA qui est un peu plus agressive sur les plaquages, mais qui a toujours les mêmes failles. Par contre, j'ai mis le match assez court parce que je voulais voir le Japon. Du coup, on fera quelques matchs après. En tout cas, voilà, la phase 2, elle est là, ça suit un peu. Alors, Penaud. Ah, ils ont un peu plus de vitesse. Ça va, c'est plutôt bien fait. Ça va. C'est déjà un peu mieux, ouais. Mais bon, du coup, ça devient plus simple. Parce qu'au final, on trace beaucoup plus vite l'IA. Vu que l'IA est toujours un peu conne. Ouais, donc c'est bizarre. Ah, par contre, je suis pas fan de ce nouveau système de visée pour le botteur. C'est pas clairement mon truc. Mais bon. Par contre, là, les visages, Romain Tamac, ils ressemblent pas du tout à ça. Hein. Oh. Ah, c'est catastrophique. Ah, les ballons, pareil. Ah, demain. Bah, Rabat. T'as des mains, Rabat? On va revenir à cette alors, touche du coup. À 7. Ah putain, ils m'ont pris en fond de touche. Voilà, c'est bon. Pour ce ballon. Ah, par contre, ouais, je pense que le grattage doit être un peu plus compliqué. Même si j'ai réussi quand même à gratter. Ouais, on verra, attendez. On va nous prononcer, peut-être faire encore quelques rucks. Un peu moins facile de peut-être de gratter. Même si j'ai l'impression que des fois ils sont assez seuls. Ouais, en fait, ouais, faut vraiment aller être en premier. Et après appuyer vraiment rapidement sur... Ouh là là, leur fût de pneu. Appuyer rapidement sur A pour extraire le ballon et ça y est. Par contre, leur jeu, c'est pas possible là, sur les rucks. Putain, ils ont pas joué un jeu de rugby, ils ont pas vu un match, c'est pas possible. Oh, Raka. Ouais, par contre, leur allié est rapide. Je sais plus. Oh oui, le roux. Non. En plus, je suis blessé. Mais faut que j'arrête. Ah, ils sont vraiment carton, ouais, par contre. Du coup, comme je vous ai dit, voilà, je vais marquer. Hein. Et ouais, voilà, Dupont obligé. D'accord. Et bah ouais, c'est vrai que sur les mauls, c'est très très facile hein, de marquer. Enfin, quand vous êtes à 5 mètres. Hein. Parce que le Pays de Galles, faut pas oublier, ils sont à 91. Moins, enfin, l'équipe de France est seulement à 84. Donc en plus, je suis vraiment une petite équipe, entre guillemets, face au Pays de Galles. Donc normalement, ça devrait être très compliqué. Et vous voyez que ça l'est pas. Par contre, j'ai l'impression que c'est mieux fait, par contre, quand tu tapes là, les transformations. Sont un peu mieux faites. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye les coups de pied parce qu'il m'énervait un peu. Je l'ai trouvé trop robotique. Ouais, j'ai pas pu voir parce qu'il va découper. En plus, j'ai tapé avec Penaud. Allez, le game terrain. Il récupère bien ce ballon. Médard. Ouais, bon, ouais, les coups de pied sont peut-être un peu mieux faits. Ouais, non, je retire ce que j'ai dit. Non, mais regardez ces coups de pied. On dirait un robot. Vous avez vu ce qu'il fait? Sérieux. Oh. Putain, par contre, ça découpe sévère hein, chez les Gallois. Du coup, on va enlever Bernard Leroux. Je crois que je vais mettre Loré. Hein. Non, tiens, on va mettre Picamol. Allez. Et est-ce qu'on peut faire tous les changements aussi? Je suis curieux parce que, bon, ça, c'est une règle du rugby assez importante. Et bon, ça y était pas trop. On va dire avant. Car, par contre, qu'est-ce qu'il fait, mon joueur? C'est bon. Oh putain. Ouais, bon, c'est pas non plus toujours la folie. La phase 2 de la bêta. Ouais, il y a vraiment quelques ajustements. Ils ont un peu écouté la commu. Mais c'est pas la folie encore. Falloir, je pense, être patient, voir combien de phases il y aura, même si le jeu il sort. Oh putain, j'ai oublié quand. Janvier. C'est décidé. Ça sera une si je dis pas 7. De conneries. Oh, on va la faire fond de touche. Hein. Voilà. Sur cette touche. Jouer avec les trois quarts. Tamac. Picou. Et Raka, qu'est-ce qu'il fait? Fallait qu'il soit collé à la ligne de touche. Dommage. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas donné à Lopez. Ouais. Du coup, on va voir les mêlées. Je crois que les mêlées, il n'y a pas eu grand chose, ça va. Faites-moi voir, New Official Team. Non. De toute façon, je vais faire, après ce match, je vais faire un petit détail de tout ce qu'ils ont changé. Parce que comme ça, on verra. Ah putain, c'est la mi-temps. Comme ça, on verra vraiment ce que j'ai ressenti après le match. Ce qu'on a pu voir. Pour vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrêtait de taper. Dommage. Avec Dupont. Avec Aldrit. D'ailleurs, je pense que demain, je vais devoir du coup réenregistrer.
Je ferai une petite vidéo pronostic, preview un peu pour moi du quart finale France-Pays de Galles. Hein. Du coup, vous reverrez les mêmes joueurs, etc. Mais bon, c'est pas grave. Avec vraiment ce que je pense, c'est vraiment de la détente. Je le ferai en live, donc si jamais vous voulez être avec moi pour parler, pour débattre, qu'on soit tous ensemble, ça peut être sympa. Je fais mes lives, sur Twitch. Peut-être que je le ferai sur YouTube, s'il y en a qui veulent, sur Twitch, on verra. En tout cas, ça pourrait être sympa de voir un peu ce que tout le monde pense de ce match. Moi, j'en attends beaucoup. Parce que je pense qu'il peut être à double tranchant. Je pense qu'on peut les prendre, les Gallois. Comme eux, ils peuvent nous défoncer. C'est vraiment. Imperméable à la pression sur cette transformation. C'est vraiment compliqué, je pense, et à pronostiquer ce match comme Angleterre-Australie. Parce que les deux équipes peuvent gagner, je pense. Parce que je pense qu'on n'est pas vraiment, beaucoup plus faible que le Pays de Galles. On était un peu plus faible, mais pas énormément. Enfin bref, on verra ça vendredi. Là, pour l'instant, oh, putain, ils font des fautes. On va vraiment parler essentiellement du jeu, on parlera de tout ça plus tard. Bon, carton jaune, par contre, ils font toujours autant de fautes, ça c'est dommage. Du coup, ça gâche un peu tout. Ouais, on va essayer. D'accord, donc ouais, Ntamak, ouais. Je vais la trouver avec Robo, même pas, non? Ouais, bah ouais. Bon, d'accord, il y a une trouvée touche direct. Ok, merci. C'est qui? C'était pas Bigard, non? En plus, c'était un troisième ligne. Ouais. Il y a encore des trucs à régler. Ils ont écouté les gens, mais il faudrait peut-être qu'ils écoutent un peu plus les gens. Allez, Ntamak avec Fikou et Vakatawa, voilà. Enfin, il l'aura ajouté, Virémi. Ah, par contre, Raka est bien plaqué cette fois. D'accord, personne ne m'a suivi. Allez, Antoine, lui qui était un peu gêné du dos. Normalement, ça devra aller mieux à ce qu'on a compris, etc. Enfin, on verra. Une fois qu'il sera, j'espère, sur la feuille de match et dans le match, ce serait mieux. Ouais, les coups de pied de transformation sont mieux faits quand même. Tu vois vraiment qu'il tape dans le ballon, ça c'est mieux. Enfin bon, ils auraient pu améliorer encore pas mal de choses. Attention, dégagement. Ouais, Ntamak, j'ai l'impression en fait ils font des petits coups de pied par-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand c'est l'animation des coups de pied. Là ça va, là c'est une chandelle, du coup c'est plutôt bien fait. Et sur les coups de pied dégagement, des fois on a l'impression qu'il fait juste un petit coup de pied par-dessus. Alors que c'est un dégagement. Même si là j'ai fait un match de merde. Yo mon Damien, d'ailleurs, bah, attends, Damien, tu veux pas venir sur TS après avec moi? Bah ouais, comme je le dis, c'est ouais, pour l'instant j'arrive ouais un peu mieux, mais vraiment tu vois, au lieu d'être un 4 sur 20, c'est un 5, c'est voilà, c'est pas folichon quoi. Quelques trucs mieux, mais bon, il y a encore vraiment trop de défauts quoi, c'est incroyable. Attention Penaud. Hop, du coup, c'est vrai que du coup comme on a plus d'endurance, bah eh ben, on marque plus facilement avec les ailiers comme ils sont... Oh putain, comme c'est dégarni les ailes. Bon bah je crois que ça va être encore plus facile de mettre des énormes scores, hein, je pense. Allez Ntamak va observer vraiment le coup de pied, j'ai l'impression que c'est mieux fait quand même. La prise d'élan aussi. Ouais, tu sens vraiment un vrai coup de pied, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Ouais, donc ouais, plus pour ce soir, t'inquiète, attention, je fais juste une petite vidéo pour voir les changements. Là j'attends la fin du match, après on va regarder ensemble tout le patch note et voir si entre ce que j'ai ressenti et ce qu'ils ont mis, voir si vraiment je peux confirmer ou pas. Oh là 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 là, mais putain, mais ils prennent que des cartons. C'est un truc de fou. Il est probablement ah, ils l'ont pas pris, pris non carton jaune, mais si, il l'a pris. Ouais. 10 minutes sur le banc. Donc, ouais. Oh, par contre, là, Ntamak. Ah, j'étais dans le rouge. Donc, petite touche trouvée par Ntamak. Allez. Par contre, c'est les tactiques, parce qu'il y en a eu 3 nouvelles. Je crois que j'en ai mis une, c'est la French, je sais pas quoi. Après cette touche, du coup, on va essayer de la faire après. Faudrait que je trouve un gros. Voilà, Poirot. Voilà. On va se mettre. Ah putain, mais je le perds. Et ouais, ils sont un peu plus agressifs quand même, l'IA, mais c'est ouais, entre guillemets sur les rugs et sur les plaquages. Mais bon, sinon, il y a encore toujours les trous. Hein, l'IA est un peu débile. Faut avouer. Oh, Penaud. Non, il a détruit de Penaud. Voilà. Bien, Max. Max Médard, beau plaquage. Merde. Hop, je baisse un peu. D'accord, Poirot est pas réussi. Adams transmet à son coéquipier. Ah, Dan Billard. Là, ouais, je peux le gratter. Non ouais, dommage. Il est mis au sol, il va falloir libérer. Voilà. Ouais, c'est toujours aussi facile de récupérer le ballon. Hein. Bon, bah, on va aller à l'extérieur. Hein. Le voilà. Vaka. Vaka Tawa pour Raka. Oh là là. Ouais, je fais n'importe quoi. Là, je joue un peu en roi rugby. J'essaie de faire des offloads de partout. Ça ne passe pas forcément. Ça circule bien. Allez, avec Charles Olivon, avec Vakatawa, Olivon, Ntamak. Ah, dommage. Le offload. Enfin, la passe, pardon, c'était pas un offload. Penaud. Voilà. Monsieur, il garde le ballon au sol. D'ailleurs, je l'ai pas vu ça. Ouais. J'ai jamais encore eu de pénalité pour garder le ballon au sol. Peut-être, ouais.
Tu sais pas, ouais. Il passe le ballon. Tu sais pas pourquoi. Allez, Vakatawa. Non, c'est bon. Oh putain, il fait bien paquet quand même. Tu essaies de faire un point de fixation. Non. Bon, bah, maul, bah, du coup, pareil. Allez. Ça vient ajouter de la puissance dans ce maul. Voilà. Toujours aussi facile de gagner du terrain sur maul. Hein. Vous voyez. Pourtant, je suis en difficulté max. Hein. Une difficulté pro. Les joueurs qui viennent rejoindre ce maul. Oh bah, ça va être un deuxième essai sur maul. Hein. Ah, peut-être pas. Si, Antoine Dupont, ben voilà. Deuxième essai copier-coller. Oh là 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 là. Sérieux, les gars, putain, j'en ai marre déjà de ce jeu. J'ai l'impression qu'ils ont changé 2-3 trucs, mais c'est tout, quoi. Putain, Cetiano allait faire entrer Bale aussi. Putain. En plus, il y a des joueurs qui sont toujours autant cheatés, d'autres non. Du coup, c'est qui, Olivon, qui veut sortir. Mais je crois que j'ai plus personne en troisième ligne. Ah, si, tiens, j'ai l'oré. Ah, j'ai plus de deuxième ligne. Bah, ils sont en bas les couilles. Allez, Churia, tu restes. On va faire entrer sur un. Baptiste sur un. À la place de Dupont. Ntamack. Va passer au centre à la place de qui? De Vakatawa, tiens. Du coup, je vais changer après. Vakatawa à Lopez. Et Yohan Ugé à la place de Rakia. Hop. Vous ne pouvez plus faire de changement. Donc, il ne regarde pas de rugby. Ça confirme ce que je dis. Ces gens ne regardent pas le rugby, ils n'en connaissent des fois même pas les règles. C'est un truc de malade. Putain. Tout le monde peut être changé, hein, vous le savez, mais. Oh là là, franchement, sérieux. Rien à ajouter, Eric. Truc de fou. Bon, bien la maîtrise qu'ils allez, ont sur le match. Camille Lopez sur son premier coup de pied. Normalement, ça devrait rentrer là. Carrément, Eric, les autant entrant. La chatte. La chatte à Dédé, la chatte à Camille, quoi. Tout le monde est là. Hop. C'est un ballon impeccablement. Allez, Louis Picamol. Première balle. Première grosse charge. Voilà. Il est bien coffré par la défense. Avantage. Ah bah enfin un avantage sur un ruck. Putain, enfin ils sifflent leur jeu. Ils en sifflent 1 sur 12 en fait. Avec Camille Lopez. Lopez, pardon. Allez, chaque fois que je dis Lopez, mais c'est Lopez. Du coup, on va trouver une petite touche. Hop. Bon, une bonne touche quand même. On va pas se plaindre. On va faire une touche à 5. On va faire une fun derrière. Ou devant. Derrière, tiens, et on saute devant. Ah, il a tout lu. Ah non. Ah, ils ont sauté en avance, tant mieux. De ce duel de sauteur. Du coup, on va, voilà, on va faire jouer les gros. Et il ok, je perds le ballon parce qu'ils sont tous restés à côté du ruck. Il n'y en a aucun qui est rentré dedans, tant pis. Parce que je veux vraiment faire une tactique, hein. Voilà. Ah, peut-être pas là, ouais. On va attendre un peu. Picamol. Bon, bah, du coup, on va jouer à l'extérieur, hein, Ficou, hein. Avec Rakia, j'ai pas. Ah non, du oui, c'est vrai que j'ai pas pu rentrer. C'est vrai, j'avais oublié. Aller sur les ailes. C'est un... Ah, serein, il échoue à quelques centimètres. Allez. Ah, on est à. Ouais, putain, on est au bout des 80 minutes. Ah, du coup, c'est fini. Mais là, 5, c'est fini. Bon, bah 37-0 pour le match. Du coup, on va quitter le match. Avant, après, on refera un petit dernier. Du coup, je vais un peu lister New Feature. Alors. Et il y a la, voilà, la Team Japon, je vous l'ai déjà dit, update des rosters, c'est normal. La difficulté un peu ajustée, même si on a vu que c'est quand même aussi facile de passer. J'ai pas eu trop de problèmes hein, non plus à marquer des essais. 3 new sets, bah, du coup on n'a pas pu voir 3 nouvelles tactiques, c'est les, bah, les French Switch, on verra après. Voilà les trainings, ça c'est plutôt intéressant, hein, l'entraînement. La caméra, je vous l'ai montré. Les nouvelles animations, quand on marque justement sur un maul, vous l'avez vu, Antoine Dupont deux fois, je trouve qu'au final c'était mieux quand c'était avant, où le maul, bah, celui qui portait le ballon en bout, eh ben, il allait au sol, je pense que c'était mieux fait avant, donc je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, je trouve ça vraiment débile ce qu'ils ont fait. Donc ajustement, player model size a been reduced, bon, c'est vrai que les gabarits ont été un petit peu réduits, mais un petit peu, ça reste toujours de la merde, bref. Ouais, bien sûr, hein, ils essayent un peu de rajuster pour les situations d'essai qui soient plus difficiles à marquer. J'ai pas trop vu. Les ailiers. Ouais, qui. Bon, j'ai pas eu ce problème. Ouais, pour les feintes à 360. En même temps, je n'arrive pas trop à les faire. C'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas besoin, je trouve, de faire d'effet. À part des raffus dévastateurs. Je trouve qu'il n'y a pas trop intérêt. La stamina qui a été fait, on l'a vu. Qui a été revue, on l'a vu, pardon. Ouais, les arrières, bien sûr. Recourent plus vite. Bien sûr, ça on l'a vu, alors qu'avant, un deuxième ligne pouvait rattraper un 3 quarts. Bien sûr, c'était des fois compliqué, mais bon. Les staminas en général ont été revus, bien sûr, on a vu que je trouvais ça baissait un peu plus que d'habitude. Ça c'est mieux, ça c'est vraiment plutôt bien fait. Alors par contre, alors les fautes machin ont été, on va dire, les fautes graves qui valent des cartons ont été revues à la baisse.
Moi, je vois pas le cas. Vous avez vu combien de cartons ils ont pris? Je crois que le Pégal, ils en ont pris 4. Donc, c'est un peu abusé, je trouve. Attendez, je lis bien ça. Ouais, donc pourtant, ouais, c'est pareil. Kenobi. D'accord. Alors, ouais, non, je peux pas de soucis. Fitting a pass Kenobi down with your stick. D'accord. Ouais, non, bah, j'ai pas eu ce problème. C'est pour les faire des passes. Avant, il y avait des soucis entre la gauche et la droite. Bon, j'ai pas eu ce problème. Les tacles ont été. Le volume, vous avez vu, il y a quand même un peu plus de volume quand il y a les tacles. C'est vrai que le son du jeu est peut-être un peu fort. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le baisser. On verra si ça couvre le micro ou pas. Normalement, non. Du coup, ça a été un peu revu. On entend plus les chocs. Et du coup. D'accord. Après, l'extraction, j'ai pas eu de problème avec quand le numéro 9 extrait le ballon des rucks. Il n'y a pas de problème. Performance, loading, ouais, c'est vrai qu'il y a les temps de chargement sont un peu moins lents. Après, ouais. Après, ils ont fixé des bugs. Donc ouais, j'ai pas eu ce souci, j'ai pas encore eu trop de bugs, à part des joueurs qui foncent n'importe où, etc. Ça y est un peu, toujours, hein, des fois, il y a des animations un peu douteuses. Donc, moi j'aurais bien aimé voir, pas les passes, ni les plaquages, ni le coup de pied placé, ni les plaquages avancés. J'aurais bien aimé voir justement les gestes techniques. Mais attends, je veux juste voir, du coup on va regarder un petit peu d'entraînement, voir si c'est bien ou pas. Parce que bon, c'est quand même con de le faire maintenant. Même si bon, ça reste la bêta, mais bon, quand tu sors une bêta, je sais pas, tu mets quand même un petit tuto, un petit truc, mais bon, c'est pas très grave. La règle du hors-jeu que vous voyez à l'écran, qui pour moi n'est pas du tout appliquée dans ce jeu, hein, des fois, c'est il siffle ça une fois sur 10. Bon, quelques soucis encore, ce jeu, vraiment. Heureusement qu'il sort en janvier. Heureusement, placer chaque adversaire au niveau du pot bleu. Ok. Ouais, bah Faut qu'il y ait le cercle bleu, quoi. Ah mais ça on savait déjà, je voulais plaquage avancé, c'est pas plaquage avancé si. Parce que je voulais voir avec le stick droit, c'est ça que j'utilise pas, parce que c'est vrai que on peut faire des meilleurs plaquages quand on appuie sur le stick droit. Ce qui fait que du coup on gagne des points sur le rock. Enfin gagne des points, entre guillemets. Plaquer le récepteur du ballon au niveau du plot bleu. Ok. Ouais bah faut pas. Rater? Ok, d'accord, fallait que j'accélère. Ouais, donc en fait, ils apprennent vraiment les bases de base. Donc, on va quitter vite ça. On va y dégager à la grenade. Hein. Voilà, bah, c'est ce que je disais, une méthode alternative de plaquage. Il faut en fait, avec le stick droit, aller vers le plaqueur et vous avez un petit avantage sur le ruck. Bon, et bah, cette phase 2 de la bêta de rugby 20. Voilà. Vous savez ce que j'en pense. Pour l'instant, je vois pas vraiment de. Vraiment, c'est des trop petits ajustements en fait. Vivement qu'ils en règlent beaucoup, je sais que bon, ils font tout leur possible, hein, ils ont l'air gentils. Hein. Mais bon, le jeu il coûte quand même assez cher, j'en attendais un peu mieux, hein, franchement. On attend tous un peu mieux. Contre qui on va jouer, tiens, pour se terminer? Tiens, on va faire qui? France-Japon, ils ont la licence maintenant. France-Japon, allez hop, on va se faire ça. On va laisser l'équipe qui a de base, bah les couilles. On va jouer de jour. Non, de jour. En fait, j'ai appuyé sur. En amateur, non, on va changer ça, on va se remettre en pro, hein, comme d'hab. On va se mettre en 8 minutes, c'est à la fin de ce match, on arrêtera là. Le son, il est bon. Tout s'est bien remis. Je vais quand même, on va faire la TV de côté pour que vous voyez. Et que je vois aussi, parce que je l'ai pas faite. Donc j'aimerais bien voir ça. On va se mettre un stade plein. Allez. Un petit match. Bon, les équipes hein, seront de base, je crois que ça va, elles passent quand même. Les équipes de base, la flemme de se refaire un roster. Parce que bien sûr, ça ne garde pas en mémoire. Ah oui, qu'on changeait de match malheureusement, etc. Par contre, il faut que je règle ma cam. Parce qu'elle est mal. Elle est mal calibrée. Du coup, je suis pas centré. Du coup, c'est moche. Du coup, c'est pas beau, c'est caca. Ça rend pas bien. Je fais l'accent du sud-est hein, dès que je parle rugby, je suis désolé. Mais voilà. Vous me voyez un peu mieux. Ouais, bon, toujours un petit problème, je penche à droite. Voilà, vous savez plus sur moi avec ça. Bon, alors les temps de chargement ont été revus à la baisse. D'accord. Ouais, je chronomètre en main, je sais pas. Faudrait vérifier. Peut-être une seconde en moins, on verra. Allez, on va faire cet engagement. Oh, ça fait bizarre. Oh, Ficou. Alors, comme ça, on va pouvoir voir encore plus les défauts de l'IA. Allez, ajoute, ouais, Olivon, ouais. C'est sorti avec un ballon pour le demi de mêlée. Hop. Voilà. Allez, Dupont. Vamaina. Non, c'était Vakadawa, ouais, pardon. Il fait quoi, Poirot? Il fait quoi, ce con? Non, mais sérieux. Alors que c'est vrai que, ouais, je suis pas très fan hein, de cette caméra. Ouh là là.
Ouh là là, c'est dur en plus du coup de voir ces joueurs vraiment où ils sont. Oh voilà. Ah, Yohan UG avec Paro pour Dupont. Ah non, ouais, j'ai fait mauvais côté en extrait. Allez, Charles Olivon. Ouais, bon, je me fais défoncer quand même. Hein. Ils se laissent pas faire les Japonais à domicile. Même si bon, c'est pas à domicile vraiment parce que ils ont pas la licence. Ituria. Ouais, Ituria, il se fait défoncer. Et on va jouer sur le côté parce que voilà, il y a un 2 contre 1. Et Damien Penaud est tout seul. Ouais, donc ça change vraiment pas. On voit que l'IA est toujours concentrée au centre. Même si après, c'est normal, hein, c'est tendu, etc. On va remettre la caméra de base, hein, parce que bon, je suis désolé. J'aime le sadomasochisme, mais pas autant quand même. Faut pas abuser. Du coup, Damien Penaud marque. D'ailleurs, je pense que les ailiers vont toujours être les meilleurs marqueurs. Hein. Je vois pas de... Ah, les demi de mêlée, ouais, c'est vrai qu'aussi, peut-être. Parce que vu qu'ils viennent dans les malls... En tout cas, j'aime mieux, franchement, les transformations, en tout cas l'animation des transfos, sont vraiment mieux. L'endurance est un peu mieux gérée. La vitesse des joueurs, du coup, des arrières, est mieux gérée aussi. Voilà, ce sera vraiment les seuls points positifs que je garderai. Et aussi l'ajout du Japon. Voilà, c'est une nouvelle licence, même s'il n'y en aura pas énormément. Puisque je rappelle, il y aura en tout cas tout ce qui est licence d'équipe nationale, bah, vous avez tout là. Ils n'ont pas les licences pour les autres. Puisque ce sera Rugby Challenge qui les aura. Et vous aurez par contre le top 14 et la Pro D2 sur Rugby 20. Et du coup, je pense que je suis pas sûr qu'on l'ait du coup dans Rugby Challenge. Ce qui est bien dommage. Du coup, il faudra faire des, je pense, des patchs, etc. Du coup, je pense que Rugby Challenge, je prendrai sur PC pour pouvoir changer plus facilement tous les noms, etc. Puis il y a, je pense, une peut-être meilleure commu sur PC vu que c'est plus facile. Et donc, Penaud, encore une fois. Voilà. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Il y a le Pro 14 aussi, je crois, qui est en licence. Et c'est tout. Je crois que le rugby, le championnat anglais n'y est pas. Donc voilà. Donc c'est un peu maigre hein, quand même. C'est maigrichon tout ça, malheureusement niveau licence. Hop. C'est dommage qu'en fait ils se mettent des bâtons dans les roues les deux là. Alors que bon, il ferait mieux de de trouver des accords. On n'est pas encore comme, il n'y a pas lié, etc. Donc il n'y a pas énormément de pognon à se faire. Faut qu'ils se calment. Par contre, vous avez vu encore un bug, hein, Penaud qui allait tout seul là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, encore des petits bugs. Il est encore très perfectible ce jeu. Loin de là. Très perfectible. Je voulais dire loin de là, je sais pas pourquoi. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus perfectible. La phase 2, pour l'instant, du coup, pour moi, elle me déçoit un petit peu. Il n'y a pas. Ouais. Ils ont mis tellement dans leur patch note que je dis putain. Ça y est, ils ont ajusté vraiment pas mal de trucs. Mais bon, au final, ouais. C'est moyennasse. Moyennasse, comme dirait Monsieur Moscato. Allez, ouh, d'accord, ouais, encore un carton, ok. Normalement, c'est carton rouge, hein, parce que le coup de la corde à linge, ça n'existe pas au rugby. Enfin, faut pas abuser quand même. Coup de pied de pénalité, les noms n'ont toujours pas changé, hein. Coup de pied de pénalité, etc., etc. Malheureusement. La touche, elle est belle. Elle est belle cette touche, on va quoi. Allez, faire une touche à 7. Pourquoi il sprint comme ça, d'accord. Allez, on va jouer derrière. Hier, la prise de balle. C'est con, j'ai pas encore fait de... Voilà, c'était Mani. Allez. Putain, mais venez les avant. Du coup, je perds le ballon. Voilà. Ah, c'est bon, nickel. Bon, mon numéro 9 s'appelle quand même Monsieur Guirado. Allez, on va faire laquelle. La fin de croisée, tiens. On va voir si elle passe un peu mieux les tactiques. Avec Romain Tamac. Je fais encore combien de temps. Ça va, 14, 13. Et Tamac. Eh ben, elles sont peut-être un peu mieux faites les combinaisons. Faudrait que j'en fasse plus pour regarder. Vakatawa, du coup, il marque. 26-0, ouais, c'est quand même plus facile, c'est normal. C'est le Japon, après. Ils ont 77, si je dis pas de bêtises. Ah, les coups de pied, par contre, ouais, j'aime mieux. J'aime vraiment mieux les coups de pied. L'animation est bien faite. La trajectoire aussi, vraiment, ouais, ça, c'est mieux. Le jeu en l'air est toujours un peu nul à chier, je trouve. Là où vous avez vu, il y a eu un rebond normalement. Hein. Mais vous l'avez pas vu. Parce que c'est la magie des ballons de rugby. Il se téléporte. Écarte Dupont. Putain, il a pas fait la passe. Alors attendez, on va faire une autre. Faire un pivot. Il y a une autre tactique. Donc, Fico fait un R1. Qui lui fait un L1. Qui lui fait un R1. Ouais, elles sont un peu plus faciles. Mais bon, là, j'ai pas vu. Ouais, peut-être aller. Ouais, un peu mieux. Ouais, donc ouais, c'est plus facile de les sortir, donc tant mieux. Je trouvais que des fois, celles qui sont chiantes comme celle-là, c'est-à-dire qui nécessitent d'appuyer plusieurs fois sur les boutons, les adversaires montaient trop vite et du coup, bah, vous pouvez pas la faire en entier. C'est un peu dommage. Mais bon, là, c'est un peu mieux fait. Donc ouais, les tactiques aussi, notées dans les points positifs du coup de cette phase numéro 2. Alors, par contre, les joueurs qui se téléportent là-bas, qui vont là-bas sans aucune raison,
C'est quoi ça? Ah, il a mis peut-être un coup de pied. D'accord, bah je. Ouais. Bon, il y a encore pas mal de choses à améliorer. On va finir ce match. Ce qui est assez rapide. Puis je vous laisserai là. Sur une déception, un petit peu, encore une nouvelle fois. Pour moi, le jeu passe de 5 à, ouais, 5 à 6, peut-être. 6 sur 20, on va dire. Mais bon, putain, ça me fait chier de mettre une note comme ça alors que c'est un jeu de rugby, quoi. Plus je l'ai payé, quoi. Mais bon, je voulais soutenir. C'est, ouais. Je suis sadomaso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aime bien ce frère. Mais bon, ça fait mal au cœur, sachant qu'il y a Rugby Challenge. Du coup, Rugby Challenge, on va tous l'attendre comme des dingues. Hein. Franchement, là, on l'attend au tournant pour que ce soit vraiment un bon jeu. Mais on verra. Allez, Wencesta Story, non. Dupont. Oh, Dupont, mais quel homme! Allez, on va refaire une tactique puisque on est fou. On va faire la croisée avec Ficou en 10. C'est bon, tout le monde est placé. Allez, hop. Ficou. Ah bah ouais, pas eu le temps de faire la croisée. Bon, ouais, ça marche pas toujours en fait les tactiques. Allez, ça joue au pied par-dessus. UG. Voilà. Voilà, on va trouver une bonne. Ok. Ah, ces animations, des fois, elles font quand même de la peine. Ouais, ça joue vite. Jouez-la vite! Touche rapide. Ok, il l'a. Oh lolo, il fait un rebond avec. Oh putain, mais Eco Software, qu'est-ce que vous branlez, putain? Sérieux? Je sais pas. Je sais pas s'ils écoutent vraiment ce que disent les gens par rapport à leur jeu. Franchement. Putain, on peut se dire que c'est des. Je crois que c'est des Français, si j'ai pas de conneries, Eco Software. Donc ça me fait mal au cœur, putain. Je travaille gratuitement si vous voulez. Je vous jure, je passe 12 heures s'il faut. Pour régler, enfin pour régler, mais pour vous montrer ce qui va pas. J'ai l'impression qu'il voit pas ce qui ne va pas. Du coup, c'est dommage. Et c'est con surtout. Allez, en espérant que ça passe, mais j'y crois pas trop, même s'il y a le vent. Ah, ouais, poteau, ouais, c'est normal. C'est normal. Bref, 55ème, 33-0. Ah, c'est toujours aussi facile de marquer quand même beaucoup de points. Et encore, j'ai fait des conneries. Oh, la fin de passe. Oh, elle était belle. Elle était belle la fin de passe. Point Tamac, Ficou. Poirot, ouais, dommage. Il y avait un. Regardez, regardez. Il fait quoi, Loré, là? Il est parti aller chercher des champignons, tranquille. Sur le terrain, il s'est mis bien. Avantage parce que je suis hors jeu. Du coup, c'est normal. Vu où il est. Salut, Geek.fr. Comment tu vas? Fin de l'avantage, déjà? Ah non, peut-être un en avant. Pour que l'avantage soit si court. Ouais, peut-être. Encore? L'avantage est. C'est quoi ce bordel? Avantage terminé, avantage, avantage terminé. Bon, faudrait savoir. Allez, fais la passe, Dupont. Ah là, j'ai fait le con, je vais perdre le ballon. Les Japonais qui vont avoir un beaucoup à jouer, mine de rien, les Japonais. Dans leur Coupe du Monde, en finissant premier. Vamaina avec Penaud. Oh, Penaud. Oh, c'est magnifique le rebond. Bah, ça va nickel, un peu déçu. De la phase 2 de ce jeu de rugby, mais bon, on garde quand même le sourire, c'est pas grave, c'est un jeu de rugby, ça fait plaisir quand même, même si ça fait chier quand même un peu, faut l'avouer. Hors jeu, allez hop, on va pouvoir aller en touche. On va voir une. C'est vrai qu'il n'y a pas fait de mêlée, mais je crois qu'ils ont rien changé dans les mêlées, donc autant aller en touche. On va continuer à se faire plaisir. Pareil, par contre, ça tape en drop, alors bon, dans le rugby, tu tapes pas en drop pour aller en touche. Ouais, il y a quand même des trucs qui font vraiment chier quand même. Fait mal au cœur. Allez. On va la faire feinte au milieu et on va passer devant. Voilà, nickel. Avec Ntamak. Ouh, Ntamak s'est pris un beau petit tampon. Et je perds le ballon. Dommage. Bon, bah le drop. Hein. Médard. Non, c'était de la merde du coup. Voilà, on va revenir à une mêlée. Oui, c'est que la bêta, mais le problème, c'est que bon, faire une bêta, quoi, 3 mois avant, et bon, là, ils ont fait la phase 2 en quoi. En un mois, ils ont quasiment rien changé. Il y a encore trop de bugs, trop de problèmes, mais bon, peut-être, hein. Peut-être qu'en janvier, ce sera un bon jeu, mais pour le moment, c'est compliqué. C'est très, très compliqué, malheureusement. La difficulté, ils l'ont augmenté, mais alors vraiment, un petit peu, hein. C'est un truc de fou. Donc on va voir. Et regardez là le bug encore. C'est qui est là-bas au fond? C'est Ficou? Ouais non, c'est Ficou. Oui, c'est Ficou, d'accord. Qui était parti encore cueillir des fleurs. Donc voilà, il y a encore un peu de problème. Hein. Je pense que ça a rajouté des bugs en fait. Cette phase 2 pour le moment.
Donc j'espère qu'ils vont corriger ça, parce que là ça fait 4 fois je crois depuis le début du match qu'ils courent comme ça au loin alors que ça sert à rien. Et du coup Ntamack, ouais, l'animation elle est vraiment mieux faite, de la course aussi, un peu plus réaliste, le coup de pied aussi. On va dire que il y a quand même quelques points positifs, je les ai dit tout à l'heure. C'est pas à 100% de réussite hein, cette seconde phase, mais bon, il y a quand même un peu de changement. On verra bien. Après bon, faut pas, ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire après, parce que bon, là on est quoi, on est octobre, mi-octobre. Ouais, putain. Ah, ils ont failli marquer. Hein. C'est quand même assez simple hein, de ne pas prendre d'essai, hein, franchement. C'est quand même abusé. Je joue sur PS4, c'est vrai que je l'ai pas mis sur sur le live, mais ouais, je joue bien sur PS4. Hop. Je pense que normalement, mais je sais plus, ouais, elle est dispo sur tout, si j'ai pas de conneries. Il suffit de précommander le jeu hein, si vous voulez la bêta. Et encore des cartons, mais non, putain, regarde ça! Il y avait l'avantage, monsieur l'arbitre. Allez, on va refaire une mêlée, tiens, pour faire une. Pour faire une nouvelle combinaison. J'ai bien envie de faire une 89, même si je les ai quasiment jamais réussites. T'as le 18? Bah, franchement, tu loupes pas grand chose, garde le 18. Hein. Mais prends plutôt, je pense, Rugby Challenge. Je pense que j'en attends peut-être trop, mais j'ai hâte qu'ils sortent. On va faire une 89. Du coup, faut que je sorte le ballon. Comme ça. Non! Ah, j'ai fait mauvais côté pour la 89, dommage. Il me semblait que j'avais appuyé sur la gauche, mais bon, pas du tout. Tant pis. Ah, la 89 a été bonne. Bon, alors on va faire une nouvelle. Hein. On va faire Rugby à 13. Hop, celle-là. Rugby Challenge 3 sur Xbox. Ouais, mais j'attends beaucoup le 4 du coup maintenant. J'ai vraiment envie de savoir. Oh non, 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 non. Oh non. Ouais, je me suis fait avoir. Ah putain, je perds le ballon au contact. En plus, c'est fini. Il reste quoi? Ouais, il reste plus rien à jouer. Surtout que ils vont jouer à la main. Je vais la récupérer, je pense. Ouais, je la récupère. C'est vrai que c'est dommage. J'ai pas... Moi, il me manque en fait les touches. C'est vrai que j'ai pas trop regardé comment faire. Un 360, oh bah d'accord, en fait comme ça, ok, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple. Fais voir, on joue là-bas, fin de passe, ok, non, fin de passe, ouais, c'était tout à l'heure, c'était avec le stick, j'irai voir. Non, elles n'y seront pas, je pense que je peux te l'assurer, elles n'y seront pas malheureusement, puisqu'elles sont sur Rugby 20. Toutes les licences que tu as sur Rugby 20, tu ne les auras pas sur Rugby Challenge. Il y a deux, enfin, je suis sûr à 99% de moi. Je, voilà. Je pense, ouais, je suis quasiment sûr. Parce que bon, normalement, ils ont pas vendu le jeu comme ça. Surtout en plus que les premiers visus sur justement RC4 montrent qu'il y a, ouais, qu'il y a pas la, le top 14. Donc je pense pas qu'entre temps il y ait de changement, malheureusement. Allez, encore un nouveau carton. Bah, allez, nickel. Double supériorité, je prends. Mais bon, après, il sera peut-être modable si on pourra changer les noms manuellement ou via des mods. Donc c'est pour ça que je pense que ce RC, faudrait le prendre sur PC. Et après, je sais pas s'il y aura le partage via les consoles. Partage de mods, ce serait bien qu'il y ait une commune de rugby qui fasse ça. Ce serait vraiment très très bien, mais bon, on verra dans le futur puisqu'il sort décembre, si je dis, ou novembre, je sais plus, je crois que c'est décembre. Et du coup, on va qui? Allez, Fikou. Voilà, Fikou, il marque tranquille. Le deuxième. Le deuxième, non, pas le deuxième malheureusement. J'en ai un, marqué un petit peu plus. Ntamack. Et voilà, et du coup, on va s'arrêter là. Sur cette petite déception de la phase 2. Voilà, c'est transformé. Et c'est fait. Décembre, hein, c'est bien ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en décembre. Mais bon, d'ici là, il y a Rugby. Enfin, sur Rugby 20 qui est là, cette bêta. Et ouais, bah, la phase 2, il n'y a pas énormément de choses. De toute façon, j'ai fait un grand résumé tout à l'heure. Donc voilà, vous savez tout sur tout sur la phase 2. On a fait point par point justement ce qu'ils avaient rajouté. Il manque encore pas mal de choses. Il manque pas mal de choses, pas mal de défauts à corriger, même si ils en ont fait un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas assez, il en manque encore. Donc voilà, la vidéo sera sur YouTube. Hein, si vous avez loupé le début, si vous voulez vraiment voir tout, bien sûr, tout ce qui se passe, toutes les nouveautés, je les ai listées hein, tout à l'heure. On en a parlé ensemble. Donc voilà, vous y retrouvez. Donc voilà. Ah ouais, on peut les changer pour les équipes, mais sur console, ouais. Ouais, ça, tu peux pas avoir les maillots, c'est normal, les maillots, c'est immodable. C'est immodable, voilà, sur console. Il n'y a que sur PC où tu peux le faire. Donc c'est dommage. En tout cas, voilà, vous trouvez cette vidéo sur YouTube. Je vous dis, passez une bonne soirée. Bah, Geek Pro qui est là avec moi sur Twitch. Du coup, merci à tous. Je vous dis à très vite pour du rugby, notamment demain pour la preview du match rugby Pays de Galles, le quart de finale de la Coupe du Monde. Ciao, ciao tout le monde. Et merci à vous.